Merci beaucoup Eric, merci à tous, merci pour l'invitation. Je répète ce que j'ai dit euh, vendredi, c'est véritablement un grand plaisir d'être de retour ici. On, on s'est parlé vendredi, donc ce que je suis en train de présenter aujourd'hui est le corollaire de ce qu'on a discuté vendredi, c'est-à-dire si vendredi on, on a regardé les sources dans l'optique de l'archéologie, aujourd'hui on va essayer de faire un peu d'histoire et je vais lancer un certain nombre de pistes d'analyse. Suggéré par le corpus que je vous ai présenté. Alors, euh, je promets, ça c'est le seul slide qui contient de la théorie. Euh, il faut quand même cadrer le type de recherche que nous sommes en train de euh, mener. Donc, vous avez vu, nous avons un corpus impressionnant. Et il s'agit essentiellement pour nous, dans ce projet, de dénoyauter ces sources, pratiquement aller. Euh, donc, après l'examen critique que nous avons mené, pendant ces quatre ans et demi, il s'agit de comprendre ce que ces sources tout simplement apportent à notre connaissance du christianisme ancien. Alors, il s'agit d'un processus de déconstruction, parce que nous avons des récits, nous avons des métarécits, nous avons de, de grandes histoires, nous avons des mythèmes, nous avons des narèmes qui nous ont appris pendant les 200, 300, euh, 300 euh, dernières années, grosso modo, euh, ce de quoi euh, le christianisme ancien est fait. Alors il s'agit de remplacer, euh, après cette analyse, justement des euh, systèmes narratifs, des modèles narratifs, etc., il s'agit de les remplacer par des, euh, d'autres narrations, il s'agit de renarrativiser, rena re -na mais remplacer les grands récits par des, disons, par des études régionales, parce que les régions d'Égypte, euh, les documents le montrent présentent des situations très différentes quant, à la, quant au rythme de leur christianisation, etc. Il s'agit d'une énorme euh, diversité qu'on voit déjà, euh, si vous voulez, dans le rythme de la christianisation des grandes métropoles de la vallée du Nil. Euh, <coughs> J'ai listé un certain nombre d'approches, de, euh, de, de cadres théoriques euh, qui nous servent de, de support. Il faut le faire. Les sources demandent des traitements particuliers, euh, disons spécialisés. Je liste ici une, un certain nombre de, de théories, de, euh, de, 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 de cadres euh, méthodologiques dans lesquels on, nous nous encadrons. Je ne suis pas un énorme fan euh, de tout cela, mais c'est ce qui nous a permis de, par exemple, euh, je ne sais pas moi, l'archéoécologie nous nous a permis d'envisager, de, si vous voulez, l'abandon de l'Oasis de Kharga que nous avons évoqué euh, vendredi passé. Cette zone qui contient, qui contient la plus grosse concentration de monuments chrétiens en Égypte sous forme de, euh, comment dire, de clusters, de, de groupes très compacts. Donc, euh, c'est ça le cadre dans lequel on évolue. Et dans l'ensemble... Euh, une des choses que personnellement j'essaie de faire, c'est de restituer, si vous voulez, euh, on appelle ça en français, <laughs> j'ai dû googler ça, l'agentivité, l'agency, euh, des acteurs chrétiens et des réseaux, des groupes, parce qu'on travaille avec la théorie des réseaux, à tout ce qui est pertinent au christianisme ancien. C'est-à-dire que euh, ce christianisme était, était la foi d'individus, était la foi de groupes. Eh bien, ces groupes, ces individus, ils ne sont visibles que dans les sources matérielles avec, sur, lesquelles, sur lesquelles nous travaillons dans le cadre de ce projet, à l'envers de ce que les grands récits, les sources littéraires nous offrent. Euh, on passe à des images on passe à quelque chose de plus, euh, de plus compréhensible. Alors, regardons la carte et essayons de comprendre l'emprise géographique de, du christianisme dans, euh, au IVe siècle. Comme j'ai essayé de le mettre en lumière euh, vendredi passé, <coughs> le grand absent, c'est celui qu'on attendait, c'est-à-dire la vallée du Nil et le delta, le pays à proprement parler. Bien qu'on vous voyez ici euh, les, points, euh, les points marrons. Euh, représentent des sites, je le répète, je l'ai dit vendredi, les sites sur lesquels nous avons des monuments chrétiens. Et bien Dans la vallée du Nil, nous avons essentiellement comme euh, l'Ahmar, euh, euh, pardon, euh, et Antinopolis. Nous avons une seule église probablement datée du 4 siècle dans le, dans le cimetière sud euh, d'Antinopolis. Par contre, dans les oasis, comme on l'a dit l'autre fois, nous avons une hyper-représentation, c'est-à-dire que la périphérie est mise en valeur de manière éclatante alors que les centres sont euh, oblitérés. Euh, quelques exemples. Donc, Voici les trois sites archéologiques massifs, euh, ce qui reste de trois anciennes métropoles Oxyran, Cantinopolis, Antinoé, ainsi que Panopolis. Je n'ai pas mis de photos, tout simplement, parce que les photos de. <coughs> De de, du site archéologique aujourd'hui à Khmim <coughs> sont quasiment introuvables. Nous sommes allés sur le site, enfin le site lui-même difficilement identifiable. Euh, tout cela pour dire, ici sur cette photo vous avez euh, l'apse de l'église euh, du cimetière sud, probablement, quasi certainement daté du 4e siècle, alors qu'ici nous avons la basilique d'Oxyranc daté du 5e siècle. Voilà ce que nous avons pour le 4e siècle provenant des trois métropoles d'où nous attendions beaucoup. Et la raison pour euh, cette absence, ce, ce silence des sources, je l'ai mentionné vendredi, c'est une combinaison entre les techniques de fouille, d'un côté, et puis... Euh, <coughs> euh, bon, en fait, ce ne sont que les techniques de fouille. J'avais discuté l'exemple d'Antinopolis. Et euh, le paradoxe de plusieurs, de beaucoup de décennies de fouilles qui n'ont pas permis de mettre en évidence des niveaux datables du IVe siècle sur un site colossal. Alors, euh, voici la carte que nous obtenons euh, avec, qui met en lumière ces grosses concentrations euh, dans les oasis, autrement dit sur le Limes, autrement dit au fond du monde. Et je vais revenir sur la notion de l'Imes et sur la frontière romaine. Euh, pour exemplifier ce phénomène, je voudrais vous vous donner quelques exemples assez particuliers, euh, plutôt excentrés, un tout petit peu excentrique aussi, qui soulignent la rapide christianisation des marges de de l'empire, de la frontière. Alors on bouge, on va tout d'abord dans le <coughs> d'odekasken, cette zone euh, tampon entre la frontière sud de l'Égypte au niveau de Sienne Assouan et la Nubie et nous allons sur deux sites euh, les deux aujourd'hui disparus euh, inondés par la suite à la construction de, de la digue d'Assouan Kalabcha d'où nous provient d'un tumulus funéraire du type de ceux que vous voyez ici une amphore inscriptionnée, excusez-moi, je suis allé un peu trop vite, sur laquelle nous avons euh, deux, euh, nous avons une abréviation ainsi qu'une isopséphie. Un autre objet qui provient d'un site pas trop loin, Wadi Qitna, euh, Il s'agit donc d'un plat en verre euh, de très belle qualité, bon, cassé évidemment, euh, qui contient un chrismon euh, au centre. Alors ne sommes pas très loin de la frontière avec l'Égypte, la manière de la Nubie n'a été christianisée que plus tard, deux siècles plus tard. Euh, Ce n'est pas le cas de l'Éthiopie, ceci dit. Je ne sais pas si vous avez suivi dans les nouvelles euh, il y a six ans, je pense une église datable du 4e ou du 5e, les auteurs la présentent comme du 4e siècle, a été découverte en Éthiopie, d'accord Alors que la zone entre l'Éthiopie et l'Égypte, c'est-à-dire le, les royaumes de makourie etc., ne sont euh, christianisés qu'à partir de l'époque de Justinien. Alors ce type d'objet euh, montre des, des échanges, matériels mais culturels aussi, entre l'Égypte et la partie sud. On va maintenant à Siwa, on va faire ça très vite. Euh, dans la nécropole de <coughs> Bila de Rome, euh, où on a trouvé trois stèles, on vient de les publier, Valérie Schram et moi euh, l'an passé, <coughs> chrétiennes, datables de nouveau du 4e ou du 5e siècle. On ne veut pas trop s'avancer, mais la probabilité qu'il s'agisse du 4e est très haute, extrêmement intéressante, qui ont été trouvées posées sur les superstructures funéraires que vous avez vues tout à l'heure sur l'autre slide. Nous sommes ici dans une, dans une petite oasis aujourd'hui interdite, on ne peut pas y aller, ça, elle s'appelle la Dala, c'est une... Bon, toutes les zones militaires dans le désert occidental, mais en particulier là, il y a une unité militaire, il est absolument impossible d'y aller. J'essaie depuis 20 ans d'y aller, ça n'a pas été possible. Euh, ici, vous avez une photo prise lors d'une des... <coughs> mission du prince et euh, archéologue Toussoun à Indala, qui a trouvé cette croix, euh, datable de nouveau 4e, 5e siècle. Qu'est-ce que cela veut dire euh, Donc, euh, faut, on peut imaginer, là on nous sommes pratiquement en bord de ce qu'on appelle la grande mer de sable, un, un énorme espace couvert de dunes, bon, la plupart des dunes en Égypte se trouvent là, donc tout cela pour dire que nous sommes effectivement et littéralement, même pas sur la frontière romaine, sur laquelle je vais m'arrêter un, un petit peu plus tard, mais nous sommes dans un avant-poste extrêmement petit, certainement partie, faisant partie du réseau militaire et routier à l'époque, euh, euh, où les traces du christianisme sont extrêmement hautes. Même chose, euh, nous sommes ici dans l'oasis de Farafra, euh, la plus petite oasis des, des oasis du désert occidental. Ce que vous avez dans l'image ici est une tombe d'époque télémaïque ou romaine euh, qui a été, que j'ai fouillée en 2007 ou 2008, qui a été transformée en un ermitage au 4e ou au 5e siècle. La céramique n'était pas claire. Alors, euh, tout cela concernant la distribution géographique, l'emprise topographique de ce christianisme et le paradoxe du, de la périphérie versus le euh, centre. je Jetons maintenant un coup d'œil sur ce que cette documentation nouvelle et ce que notre projet euh, apporte à notre connaissance du, euh, du monachisme ancien. Alors, on va jeter tout de suite un coup d'œil aux sources, d'abord les sources littéraires, ensuite les sources papyrologiques. Après quoi, on va regarder les sources archéologiques. Alors, ce que les textes littéraires nous met en évidence, ce sont des concentrations donc, dans le Wadi Araba, les soi-disant ermitages de Saint-Antoine. Dans le cadre d'un projet de l'IFAO mené par mon collègue Tristan, nous avons étudié la totalité des ermitages éparpillés dans le Wadi Araba et ses affluents. Il n'y a absolument rien qui daterait du 4e-5e siècle. Nous avons ensuite la Ko Koinonia pacomienne. Nous avons d'autres <coughs> monastères cénobitiques mais non pacomiens en Haute-Égypte. Euh, bien documentés. Et nous avons la colonie de nitri Kelias-Kété, euh, abondante, euh, qui pratiquement oblitère un peu tout, euh, tout le reste. Euh, dans les, dans les sources euh, littéraires. Nous avons aussi euh, Lycopolis, la zone de Lycopolis, grâce à la figure de Jean de Lycopolis. Nous avons quelques informations concernant la zone d'Oxyranque, ainsi que des bribes euh, au sujet du désert oriental, d'une lore que nous allons voir euh, d'ici très peu. Les sources papyrologiques, quant à elles, alors, euh, elles consistent en. Trois, euh, deux, trois archives méliciennes du monastère de Hathor ou Pator, dans une zone que j'ai montrée tout à l'heure sur la carte, à côté de Charona, de Karara. Nous avons l'archive de Apajan euh, et nous avons les papyrus de la communauté documentée dans les cartonnages des Nagamadi. Ce n'est pas à moi de dire s'il s'agit de, euh, de, quel, de quel monastère il s'agit. Et nous avons une vingtaine ou une trentaine d'autres documents qui concernent d'autres communautés à part celles que j'ai déjà citées. Pour ce qui est des sources archéologiques, euh, la carte est très différente et on retrouve uniquement euh, les Kélia. Il s'agit de deux... Euh, deux petites zones de deux ermitages d'Ekelia où euh, les fouilleurs euh, suisses avaient identifié des, euh, des occupations, des niveaux d'occupation du IVe siècle, probablement discutable, mais c'est ce que nous avions. Maintenant, il n'en reste plus rien. Ainsi que la lore de Birnaqat dans le désert oriental à une soixantaine de kilomètres à vol d'oiseau euh, de Ourgada. Conclusion, carte très différente. Bon, euh, discutons maintenant euh, rapidement du nombre des chrétiens. J'ai évoqué la question euh, vendredi. Il s'agit d'un sujet assez technique, j'essaie de le présenter très très vite. Euh, le sujet, le débat a été lancé par Eva Wipchitska. Il a été continué par euh, Roger Bagnall au début des années 80, qui a proposé un premier corpus en six qu'une euh, qu méthodologie de calcul. Il a proposé les premiers chiffres. Euh, tout cela a été euh, revu, testé sur la base du grand corpus de Trismegistus, de l'énorme base de données de Trismegistus par Vili Clarisse et Marc Depau, dont l'article de 2013 fait encore date et probablement ne sera pas surpassé euh, très bientôt. Alors, ce que nous avons essayé, ça a été d'un côté de tester le modèle de Clarisse et Depao, voir si les données que nous avons euh, provenant de Douche, c'est-à-dire un corpus extrêmement cohérent et très bien daté, confirment ou non les courbes d'évolution proposées par euh, Clarisse et Depao. Alors nous avons deux avantages. Le premier, c'est que nous, nous, avons, nous avons pu dater de manière hyper précise euh, les ostraca grecs de douche. C'est Florence Lemaire, euh, c'est son travail qui, qui, qui a mené à, à ces résultats. On parle de la période de 363 à 380. Et nous avons également pu mettre en place une prosopographie, elle n'est pas complète, mais une prosopographie quasi à moitié ou à deux tiers, qui nous permet, la prosopographie nous permet de distinguer, de savoir combien d'individus se trouvent derrière le même nom. Si nous avons cinq Théodores mentionnés dans des textes, alors la prosopographie nous permet de dire, bon, il s'agit de deux Théodores, ou d'un, ou de cinq, ou de trois, parce que ce qui nous intéresse c'est le nombre d'individus et pas le nombre d'attestations de, euh, de, des noms. Alors, euh, pour l'instant, très rapidement, ce que nous avons pu obtenir, c'est une confirmation de, euh, du facteur qui a été utilisé, le facteur variable utilisé par Départ et Clarisse pour la période, <coughs> grosso modo celle-ci, euh, qui correspond à la date des, euh, des ostraca Douche et copte de euh, grec, et, grec et copte de douche. Alors, dans notre base de données, nous avons. <coughs> notre base de données euh, contient une énorme majorité de textes littéraires. J'insiste n'insiste pas pour la, sur la raison, c'est assez complexe. Euh, donc, nous avons essentiellement des textes littéraires, 96%. Qu'est-ce qu'ils contiennent Donc, vous le voyez ici. Euh, je voulais vous donner une idée de ce que les textes littéraires contenaient pour savoir ce que ces chrétiens du IVe siècle lisaient, parce qu'on a tous nos, notre petite idée, influencée plus ou moins par ce sur quoi nous travaillons. Alors on voit que euh, les textes bibliques sont majoritaires, mais on est quand même frappé aussi par euh, la proportion de textes apocryphes. Euh, les trois quarts des textes sont en grec. Un petit quart est représenté par les textes coptes et il y a quelques, quelques petites euh, bribes en syriaque et en euh, latin. Alors, je ne veux pas dépasser comme je l'ai fait au mois de euh, euh, vendredi. Euh, parlons maintenant de l'ABCNH, puisqu'on est dans la patrie de l'ABCNH, n'est-ce pas euh, nous avons essayé, Hokon Taïgen et moi-même, d'analyser euh, la collection de Nagamadi dans l'optique d'une rédaction, révision, remaniement, des slash partout, manichéenne. Nous avons fait cela euh, à partir du euh, Codex VI. Euh, voici les stades, disons, de la vie des textes. De Nagamadi. Et nous avons formulé trois hypothèses. Euh, nous optons pour la troisième, la plus forte de notre point de vue, c'est-à-dire que l'influence manichéenne euh, s'explique et s'est manifestée euh, lors des dernières étapes de l'histoire euh, de la circulation de ces textes. À savoir pratiquement de la fabrication des euh, dernières copies fabrication des codex, dans un, un environnement, dans des milieux philo-manichéens, crypto -manichéen, manichéen, tout simplement. Alors, je voudrais vous donner quelques exemples. Les textes, ont, les textes documentaires euh, nous apportent des surprises de temps en temps. Je voulais vous donner quelques exemples. Là, nous avons un papyrus grec de Kélis, où vous reconnaissez très bien l'autogène. C'est un texte qui doit nécessairement trahir en fond sétien, si on peut appeler, si on peut utiliser encore ces catégories-là. Euh, ce papyrus. Et gardé actuellement à Florence, je l'ai fait dater aussi. Nous sommes pleinement au IVe siècle. Euh, c'est une prière euh, pour pour un défunt, pour des défunts, extrêmement intéressante, qui, à mon avis, trahit de nouveau un, un fond dualiste. Je ne saurais pas dire de plus. Et un autre texte <laughs> qui est beaucoup plus sympathique, c'est un contrat de manumission. Un contrat d'affranchissement d'une escl... esclave, qui dit, euh, l'auteur parle de la libération justement de cet esclave grâce à sa foi chrétienne exceptionnelle, <laughs> euh, et il finit par, euh, sous eux, la terre et le soleil. Euh, très beau. et Je pense que ça, c'est un... Euh, un, un capsule, ça encapsule, ça exprime toute la situation du IVe siècle. Alors nous travaillons, euh, moi-même et Rhiannon Williams, qui fait partie de notre projet, <coughs> aussi sur l'évolution des modèles architecturaux des églises. Alors les églises présentent, euh, j'ai donné ici une collection euh, de, je ne sais pas, une quinzaine d'églises, euh, une variété architecturale phénoménale. qui en dit long euh, sur, justement, cette époque d'ébullition, de tâtonnement, de euh, décès euh, que représente la première moitié ou la, le milieu du quatrième siècle ainsi que la seconde moitié du quatrième siècle. Ces églises datent, dans leur ensemble, à partir des années 320 jusqu'à, probablement, à la fin du quatrième siècle. Nous avons des dates radiocarbones pour euh, la plupart de ces églises-là, puisqu'elles viennent quasiment toutes de l'oasis de Kharga. Alors, une grande partie des de, de sites archéologiques que je vous ai présentés au mois de euh, pardon, vendredi, alors, ils se situent tous sur des routes caravanières. Vous allez me dire, c'est une évidence, bon, il le faut, les gens devaient s'y rendre d'une manière ou d'une autre. Oui, euh, sans, sans doute aucun. Euh, il reste qu'on a l'impression que la voirie, le, le système routier romain, le fameux système routier romain, a joué un rôle extrêmement important dans la diffusion du christianisme, de la même manière que la route de la soie euh, a joué un rôle d'importance capitale dans la diffusion du manichéisme, etc. Et, et, non seulement du christianisme en, en Asie, et, etc. Euh, Puisqu'on parle du, euh, du Limes, <coughs> euh, à force de travailler dans le désert occidental, euh, on se rend compte de certaines choses qui probablement sont moins visibles pour ceux qui ne sont pas sur place. Alors, si on regarde euh, cette ligne, donc ça, c'est la trajectoire du Limes, de la frontière. Euh, c'est la convention, et la convention veut qu'on ait cette ligne-là euh, qui traverse. Euh, bon, tout ça, c'est le désert occidental d'Égypte, une partie du désert libyque. Et nous avons cette courbe, ces courbes-là, ce, ce trajet. Alors, euh, <coughs> ceux qui restent sur place. Euh, c'est un réseau de euh, forts et fortins militaires. Vous avez ici des exemples provenant tous de l'Oasis de Kharga, encore une fois. Fort et fortin, fort, construit sous Dioclétien, le plus grand, probablement celui qui a abrité Lala, cette elle euh, militaire, qui était installée euh, à Kharga, dans l'Oasis euh, de Kharga, ainsi que d'autres fortins. <coughs> Alors, euh, ceci, donc voici la position, euh, le stationnement des trois halas que nous connaissons dans les oasis de Dakhla, Bahria et Kharga. Euh, voici le positionnement d'un <coughs> certain nombre d'autres euh, fortins militaires ou constructions en fonction défensive. Il y en a beaucoup plus, je n'ai pas pu les mettre. Euh, mettre toutes ces installations ici, parce qu'il y a une grosse concentration dans l'oasis de euh, Kharga. Puis enfin, euh, il y a aussi des nœuds routiers, des espèces de, de points d'escale, des espèces d'hydraumas, de, euh, euh, c'est-à-dire des puits d'eau, qui étaient sans doute dans, sous, le, sous contrôle militaire. Et qui dessine en réalité une euh, comment dire une carte remplie de trous, une espèce de fromage suisse, euh, où la ligne que nous avions vue tout à l'heure, eh bien, elle n'a pas de sens. Euh, donc, il s'agit, si on veut, la, la frontière est une ligne, est une route, euh, et cette route elle-même, elle est en pointillé. On défend ce qui vaut la peine d'être défendu. C'est-à-dire que bon, de la même manière, on est ici dans un énorme pays contrôlés très, proba très probablement dans le nord, euh, de manière euh, interrompue, ponctuelle, euh, etc. Il s'agit d'une toute une stratégie, il s'agit tout simplement de, euh, de l'administration des, euh, des ressources. Les Romains faisaient de la même manière, les soldats étaient envoyés, étaient détachés là où, ils, euh, là où on avait besoin, besoin d'eux. Euh alors, euh, je n'ai pas inclus d'image ici, je voudrais toucher deux mots sur la question, euh, sur un autre aspect qu on est en train de, euh, que nous avons en fait traité, Rockontaig et moi-même, c'est-à-dire l'émergence synchrone de formes organisées d'ascétisme, aussi bien au sein des groupes chrétiens que au sein des, euh, des groupes manichéens en Égypte. Alors nous avons produit un article qui sera publié vers la fin de, euh, de cette année, qui traite de cela. Et euh, Mathias Muller, euh, dans notre projet, et moi-même, nous travaillons sur euh, l'émergence de la langue copte écrite. Non, pas de la langue copte en soi, mais de la langue écrite, c'est-à-dire d'une langue littéraire. Euh, la constitution, la mise en place d'une lingua franca, c'est-à-dire euh, le dialecte saïdique, un dialecte euh, linguistiquement parlant artificiel, euh, résultat d'une opération culturelle d'ampleur, euh, systématique, organisée, euh, avec des objectifs sans doute très clairs ainsi que le, les mouvements de standardisation des différents dialectes ou de ce que nous appelons aujourd'hui des dialectes, euh, à tort ou à raison, et la manière dont ces mouvements, ces processus sont liés à la montée en puissance du christianisme. Voilà, je pense avoir fait le tour. C'était quelques petits teasers. Euh, ça donne une idée des pistes euh, que nous inspirent euh, ces ce gros corpus. Merci beaucoup.